Bonjour à tous et bienvenue pour le 21e épisode de Deep Space 3. Alors je vous reprends juste avant, donc en fait j'ai le 20e épisode, hein, je l'ai tourné hier. Là on est aujourd'hui. Et merde, j'ai pas le titre de son tout à l'heure. Je me suis rendu compte quand on ouvrait les boîtes là, en fait on avait un coupon aléatoire. Parce que, en fait, là, je suis bloqué. Ça fait... Ok. Ça fait 4 fois que je réessaye. Ah, c'est la 4ème fois. Quand j'arrive ici, chaque fois, donc, bah, je tue lui. Et je vous avais repris en attente. Et puis, on était genre là-bas. Et le truc, c'est que... Mais là, je me fais me défoncer de tous les côtés. Il y a des monstres, mais... Je vous jure, il y a des zombards, mais de partout. Je sais pas comment j'ai fait pour rester là-bas tranquille sans que personne ne me fasse chier. Donc là je sais pas comment je vais faire. Là à chaque fois j'avais essayé plutôt de rester par là en me cachant ou de redescendre là-bas, j'avais pas réussi. Cette fois-ci je vais essayer de rusher. Parce que. Tout est rechargé. Cacharné. Allez, c'est parti. Toi, tu vas acheter des pinces. Tu meurs. Toi. Concentrer un petit peu hein. Je vais tuer lui parce que quand il mute avec les pattes ça fait vraiment très très mal. Tiens bouffe ça bande d'enfoiré. Merde. Toi tu ne peux pas plus chez grand mais non mais regardez ça, il pop de partout. Je charge plus vite que ça. Allez, 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 allez. Défonce-moi cet enfoiré. Dernière solution qui me reste. Et voilà. Attends encore. Il discute ou... Bon. J'ai l'impression qu'ils sont là dedans. Ils sont... Tiens, moi je m'en doutais qu'il allait sortir. Voilà quoi les. Bon bah voilà, bon vous m'avez porté chance. Même si c'est complètement de peur. Les gars, j'ai trouvé un mont de charge. Et il est pris dans la falaise. Je vais essayer de le débloquer. Ellie, tu m'entends? Oui, on le voit. Viens, Ellie. Ouais, donc Ellie nous en veut toujours autant. On charge. Je pense comment. Barre-toi de là. Ah, c'est juste moi qui ai oublié et qui revient pas. Là, oui. Allez, vas-y. Vite. Vite. La cage est en chemin. Ellie, tu la vois? Ellie. Oh non! Attention, Bob! Oh, vite, derrière moi! Ah, merde! Faites sortir ce truc! Ellie! 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 Ah, ok, ils sont dans la merde. C'est pas bon du tout, du tout, du tout. Mais qui c'est qui vend encore ma peau là? Qu'est-ce que c'est que ces choses? Ah, nous avons un grand bon souvenir. J'ai pas de bons souvenirs de vous. Crevez! Filez-moi de la vie! C'est bien. Ouais, bien. Gentil petit. La ferraille. Non mais je t'emmerde, tu vois. Ouais, si tu crois que j'étais. En fait les pires c'est limite eux là en fait. Ceux avec la pioche là. Ils sont là depuis le début du jeu, bordel de merde, qu'est-ce que je les déteste. Ah mais par toi toi aussi, tu existes. Mais
casse, c'est beau. Pourquoi il y a autant de zombards en même temps, quoi? Barrez-vous de là. Bordel. Du soin. Merci. C'est incroyable. J'ai l'impression qu'en fait, chaque fois je recule et je reviens, les ennemis repopent au même endroit. Comme un vieux screamer à la con des vieux jeux, de changer de salle et d'aller dedans tous les ennemis d'un copé. Punaise! Ouais, mais c'est tranquille! J'ai super froid là, je vous jure, j'ai froid aux mains, mais c'est pas possible. En avant la vidéo, et j'ai plongé mes mains dans une bassine d'eau bien chaude. Rien que pour pouvoir parce que jouer un petit peu mieux, hein, parce que je pense que chacun d'entre vous a déjà eu les mains gelées et essayé de jouer avec les mains gelées et que ça vous a complètement énervé tellement que je mal. Bah là c'est pareil. Wow. Toi là chacun. Côté c'est ça. Mais chier avec ça. Allez, redescend, mais apparemment c'est pas le bon côté. Bah vas-y toi. Non, putain, c'était ma tête, en plus j'entends plus une barre en plus. Merde, qu'est-ce que je fais là? Ah ok, c'est bon, okay, d'accord. Le truc de sauter que je t'avais dit dans le dernier épisode, enfin le dernier épisode, c'est sur le côté. Sauter ici. Moi je croyais que c'était dans le haut. Ok, donc non. Voilà. Allez, vas-y, non. Allez. C'est un petit caillou, c'est un petit caillou. Normal. Allez, monte. Isaac, tout va bien. Il est parti. Oh, Dieu merci. Pour Robert. Je vois vraiment pas pourquoi il aurait voulu te tuer. Il m'accusait de tous nos problèmes. Il voulait rentrer chez lui. Et moi, j'insistais pour rester. Mais la mission compte plus que tout. Je pensais qu'il en était conscient. Ouais. Non, c'est que merde. C'est quoi ça? Du. On sait rien. Ça n'empêche qu'on va continuer à avancer. On se présente tous les zombies de la planète. Ah tiens, fallait en parler. Casse-toi, monsieur testicule. Attends, je vais tout le temps. C'est quoi cette manie d'arriver derrière moi? Non, vas-y! Tu vois plus de ma gueule que ça encore, petit. Bon, on va avancer un petit peu, hein. On met de la force, mais pas de treuil. Ça va en bas? J'aurais arrêté de me suivre. On est à la cage. On est vraiment pas tranquille. Pourvu que je trouve un treuil. Isaac, fais attention à toi. J'ai pas envie de te perdre le même jour que vous perdez. Mais t'inquiète pas, je suis un big boss, moi, je trouve. Moi c'est bien, ils ont arrêté de me suivre. Limite tant mieux parce que j'aimerais bien trouver un atelier parce que j'ai plus du tout de kit. Depuis qu'on s'est payé le boss là de la dernière fois. Oh, c'est pas bon ça. Oula, c'est pas bon du tout. Saute. Non, t'es un sac à merde, saute. Okay. C'est pas grave. Je crois qu'ils ne sont pas rapides.
C'est un drapeau. C'est pareil, hein, ils ont barre, un drapeau. On va penser à m'acheter des sous. Allez, montre. Fais vite. Fais vite. Ah, je peux viser les choses. Ok, j'avais pas lu ce que... C'est plus facile comme ça, tu vas me couper. Tiens, mais non, mais... Mais je sens que ça va vite me casser les couilles. Très très vite. Mais... Cet épisode sert à rien, je peux que fuir et il me paye tout à l'heure. Non, toi déjà, hop, je commence. Allez, saute là. Mais t'es un sac à merde. Isaac, tu sers à rien. Ok, bon, il veut même plus sauter sur le côté. Bon, ellipse, jusqu'à que j'arrive à faire cet endroit. A tout de suite. Bien, peut vite, à tout de suite. Ouais, tout, c'est bon, ça a marché. Je suis en haut, j'ai utilisé une technique complètement débile, mais ça a marché. Parce qu'en fait, à chaque fois que je devais faire les sauts, ne servait à rien. À chaque fois que je faisais un saut un minimum sensé, et mon personnage voulait absolument merci de me cracher la gueule, pas du tout s'accrocher et tout. Donc, ce que j'ai fait, bah, c'est tout simplement en fait à chaque fois. Un petit retour en arrière et donc au moins ils arrêtaient de me casser les couilles parce que je suis au vol comme ça pour sortir dessus, mais c'est assez amusant. Bon, cette arme puissante, allez, donne moi les choses. On a de la vie, c'est de la vie, je vous en supplie. De la vie. Il faut de la vie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, je peux en avoir. C'est une équipe de terre. Vous êtes des enculés. Vous êtes des enculés. Pourquoi vous pouvez pas me filer un minimum de putain de vie? Tiens, en avance, en boîte. Donc, en tout cas, j'ai réussi à passer cet endroit et éviter une sauvegarde de progression juste après. J'ai trouvé le treuil. Je vais le démarrer. Si, le chauffage, le chauffage. Accrochez-vous bien. Attendez, j'aime pas ça. Parlez-moi, concentrez-vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, maintenant nous savons que nous voulons arrêter la machine. Il nous faut une clé. Les chercheurs l'appelaient le codex. D'accord. Alors, c'est par où? Il faut le construire. Comment on va faire? Comme ils l'ont fait il y a plus de 200 ans. Grâce à Rosetta. Oh mon Dieu! Pas de panique! C'est juste un fusible. Je vais utiliser l'énergie des lumières. Ça? Allez! Ok. Oui, bah oui, c'est vrai. Donc, tu vas utiliser ce truc-là. Oh, j'utilise de l'énergie des lumières. Ok. Ils sortent quand même. C'est ça les questions. Ah. Ah, bordel de... Je sais pas, je vois du bleu, je suis capable. Allez, parlez-moi à propos Rosetta. Eh ben, on sait pas grand-chose. En tout cas, ces recherches ont abouti au codex. Et il se trouve où? Dans les installations à haute cette montagne. Bien. Eh, on y est presque. Non, mais c'est pas incroyable, ça. Ah. Parfait. Je sais pas comment j'ai fait, mais ça a marché. Bon, je vais me faire avec une merde. Ah non, c'est ça.
Allez, vas-y. Allez, d'accord, ils sont juste ici. Bonjour. C'était pas si terrible. Comment j'ai pleuré tout le chemin. Posez-moi sur la terre ferme. Ah, tu peux me donner une petite mais t'es débile aussi. Qu'est-ce qu'il fout là, encore? T'as pas rien à dire ça. Oh là là, oh là là. La falaise va finir par s'effondrer sur nous. Non, je peux l'aider. Attrapez le truc. Santos, donnez-moi ma main. Isaac, c'est trop tard. Tenez. Allez. Carmen, non. Non. Mais t'es un malade, toi. David, mais il est encore là lui, ça sert à rien ce que t'as fait. Ah, je vais tomber où encore maintenant. Ah, je suis encore séparé des autres, je sens qu'on va s'amuser. Bon. Isaac, elle est partie, Ellie. Isaac, cette chose a porté toute la falaise. Tu pouvais rien faire. Tu peux remonter là? Ouais. Essayez par le côté. Nouvel objectif, retrouver les... J'ai l'impression de voir ce qu'il part. Hors ligne, génial. Ouais, putain. La première fois je l'ai eu parce que j'ai eu le vol, la deuxième fois parce que j'avais 1 million de packs de vie, mais alors là je n'ai plus un seul. J'ai plus un seul. Non mais en plus c'est des mini lui quoi. Les mecs, j'ai plus un seul pack de vie. Non mais putain c'est sale. Quoi? C'est quel générateur? Ça là? Ok, je sens qu'on va bien s'amuser. C'est moi qui vous le dis. Bordel de merde, je vais tuer des gens. Vas-y, déjà prends autre chose. Attends, je sais pas, ils auraient pu mettre un établi, ça fait 30 milliards d'années que j'ai pas un établi. Non, je voulais faire une roulade. Regarde le décor avec ce que je fais. Je m'en fous les chargeurs. Pas un chargeur, moi il me sert à pas rien pour chargeur. Mais... Oh tiens, apparemment j'avais pas l'aide. Hé, hey, servez-vous de ce générateur pour activer les harpons. Mais quel putain de générateur. Ce truc, y'a rien dessus. Il est éteint. Allez, cours, 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 cours. Bon. Oula. Oula, les petits cons, hein. Je vais arrêter de me toucher. Non, un plein instant. C'est bon, c'est bon, hein. Je peux pas faire mieux. Essayez d'attirer cet enfoiré vers les lasers. Quel laser? Ah ça. Je veux bien moi. Viens ici, petit salopard. Tiens, en plus je t'ai pété. Putain de merde, j'espère que ça a marché. Ce truc là est toujours pas super, non, forcément. J'ai pas l'impression que ça ait plus marché que ça. Je sais pas. Ah tiens, une de tes couilles. Tiens, non, tiens, tiens. J'ai bien assez de balles. Non, tu me fonces pas dessus, non.
Vas-y, je peux pas aller plus vite, appuyer sur 4 là. Vas-y, putain de bordel, de merde, de... Allez, c'est bon, j'ai l'impression que c'est en train de faire quelque chose, sauf que ma main va bientôt lâcher, surtout qu'elle est en plus, putain de congelée, de merde. J'ai froid. Faudra rallumer le chauffage. Ah, allez. Bordel de bouche. Tiens. Oh, tiens. Tiens. Dans ta face. Dans ta face, putain de zombie de merde. Espèce de putain de trou de balle de mon cul, tiens. Bouffe. Ah, tu fais moi le malin, hein. Sac à merde. Sac à merde, sac à merde. Tiens, vas-y, je tape aussi le bas de ton corps. De toute façon, vous êtes même plus reliés. Tiens, je tape ton espèce de petite couille en or aussi. Tiens, 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 tiens. Voilà. Ah, bah ça fait du bien que tu sois mort. Voilà. Ah, tiens, vas-y. Bon. Maintenant qu'il est mort, je vais ramasser un petit peu tout ce que ces enfoirés auraient pu mâcher. Des munitions. Ça. Semi-conducteur. Bon, c'est réactivé ça maintenant. C'est réactivé. Est-ce que je peux le prendre? Non, bien trop haut. Allez, vas-y. J'espère qu'il y a eu une sauvegarde de la progression, j'ai trop vu. Mais bordel de merde, bien inspiré. Oh, puis surtout, j'aime pas ces phases là. Ces phases à moitié débiles. Youpi, vous voyez, ça sert un petit peu à rien en fait à chaque fois que je fais ça. À chaque fois, il se rattrape pas, alors que quand j'y vais sans faire la touche de saut, et qu'il se trale, en fait, c'est le mot, il se trale. Et bah il veut bien, ça marche. C'est trop si con. Ah bah toi aussi t'es en plus d'abeille, j'ai pas remarqué. Hey, reprends-toi. T'as fait de ton mieux, Isaac. Tu as fait tout ton possible. Ah, je l'ai défoncé sa gueule. Oh, c'est fou. J'ai merdé, Ellie. Ah non, c'est vrai, la fille de ta heure, merde. Comment est-ce qu'on va trouver Rosetta? Alors ça... Il y a à voir, labo. Il faut chercher son bureau, ses dossiers, tout ce qui porterait son nom. Par là, on rejoint l'entrée. Venez. Ouais. Je vais pas voir une sauvegarde de la progression. Ah, merci. Bon, et ben, qu'est-ce qui marque? On va trouver Rosetta. Épisode 14. Équilibre de lune. Ok, ben je vous dis salut à tous. Merci d'avoir regardé cet épisode. Au prochain épisode, mettez une rafale de pouces verts parce que cet enfoiré de trou de balle en bas là, il est mort. Tiens, j'ai remis une couche. Ouais, il était plus par là-bas. Enfin, merde. Et d'ici là, portez-vous bien et salut à tous. Bon allez, salut à tous. Salut.